Avec ma mère, on n'est pas malheureux. Il était où? Il a tout plein. Yuki a mangé les bouts de caca. Et son pépère? Et son pépère? Trop bon, beau ténèbre, quand même. Oh non. Oula, t'as fait un tour en Inde ou quoi? Fais les fermes comme ça. Taïwan. Made in Taïwan. S'il faut dire que t'as des guitares, Made in Taïwan, c'est un monstre. Mieux que des Fender. Des Fender Taïwan. Allez, un petit Beatles. On a des nights. Essayez un peu voir si vous êtes accordé. Je ne sais pas jouer, mon petit. Je vais régler le son de la basse. Je sais pas jouer, vin du merde. Feg, je dois régler le son de la basse. Personne sait jouer ici. Ouais, arrêtez, hein. Je dois régler le son. Ah oui, y a pas de son. Pas de son. Regarde, je peux tous mes potards et je m'en fous. Allez, viens de lui. Si on entend, c'est réglé là. Ah, faut vérifier l'accordation. Oh putain! Oh non! Il est fou lui. Ça va pas à la tête. Il s'agit d'un moment d'espace-temps. Si ça trouve en chinois, ça veut dire me faire enculer sur le bateau. T'as vu, j'ai en chinois. Connard d'occidentaux. Tu crois? Je comprends pas. Gangnam style. I'm a man, yes I am. Ouais, c'est délirant, Chicago, transiste toi. Juste un moment d'espace-temps. C'était pas fait, Chicago Transit Authority. Il y a un truc qui s'est inversé pour faire super gaffe. Faire un peu. Ah Dieu, la gaillarde. Oh, tu es bien gaillarde, toi. C'est pas arrivé à n'importe qui. Alors, je mets mon truc. Je fais un là. Voilà, là tu rentres dans les pastoraux.
Pastorius là. T'es dans le temps le répertoire Pastorius là. C'est pas le loup, tout le monde pas dans le monde. Je sais pas droit. Ça, on dirait du John Abercrombie. Il y a une chanson comme ça de John Abercrombie, il fait ça à la guitare. Il y a juste lui, ça fait. Comme tu fais. Avec un peu d'effet. Après il part. C'est trop comme ça, magnifique ça. Abercrombie, timeless, on l'avait trouvé sur. Et le batteur derrière. Vous m'appelez cru. Megadeth chez Boucher. Mais il fait rire Eric quand il avait sorti ça. Megadeth. Du Kenji Girac, hein. Du Kenji Girac. J'y arrive pas. Casanova nous a dit, prenez vos basses. Prenez vos basses. Pinky Pooh. On se fait des questions-réponses et là tu me réponds. Je comprends pas ce que tu me racontes. Je comprends. Questions-réponses, mais bon, j'ai pas compris ma question. J'ai pas compris ma question, Missio. Est-ce que tu pourrais répéter s'il te plaît? J'ai besoin de quelques explications. Ah, pourriez-vous, s'il vous plaît, m'envoyer le papier? En trilogie de quintessence. Certainement. Ah, attends. Brasil. Total et Battle. Hein, c'est pas trop mal accordé. C'est parfait. En ce temps-là, j'avais 20 ans. J'avais 20 ans et toutes mes dents. Et puis, et le temps a passé. Et je me suis bien rogné. En ce temps-là, j'avais des pieds. À peu près, je ferai. Bon allez, on démarre. C'est la marche des canards. C'est la danse des canards. C'est quoi Black? C'est Jeff Beck, Black Cat Moon. Ce Black Cat Moon, c'est dans quel album? Je sais pas. Il est parti sur ACDC, il y avait la tourterelle qui était là. Sur ACDC? J'ai même pas calculé. C'est quoi ACDC? Oui, ACDC, vous savez le faire. Et lequel en fait? Non. I'm gonna highway to hell. Don don. En plus, si ça filme. Don don don. Don don don. Mais t'es un fou. Tu sais, faudrait. Là, quand tu fais ça, tu sais, faut. Vous dites au mec. Faut le synthé. Là, il y a la tourterelle. De 12 la tourterelle. Bravo cistercien.
Bon, t'es la bienvenue, mais... Astropote, on n'a même pas d'autres potes. En double galaxie, chez moi, ça trilogie pas. De quintessence. Voilà. Coucou, 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 à 6 ans, voilà. C'est pas une partouze, les pigeons. Hein. Du balai. Non, trilogie de quintessence. Rappelle ta copine. Elle est là. Ah oui, couillon. Là. Du balai. Un peu de clope. Quoi? T'as vu de la rappeler. Et un quart de ton. Entre la 432 et la 432. Traverser le désert, il ne portait pas de calbar. Ses roubignoles frottaient dans le sable. Et c'est grâce à ça que Judas l'a repéré. En plus, pardon, pas fait exprès. C'est bien, hein? Ah, bon, le verre. Mais on n'est pas pareil. C'était presque du Genesis. Judas à mon verre. Presque du Genesis, c'était là. Non, c'est. Apporter ma corne de muse. Ça me sent. Mais c'est bien des Anglais quand même, on fait ça. S'il faut, on va sur internet, des putains de solos de corne de muse.
Oh, hier, il y avait la folie des grandeurs, hein, avec Alissa Pitch. Il y avait la folie des grandeurs hier. Musique de Michel Polnareff. Trilogie de quintessence. Ouais. Incroyable. Souris. C'est le caméra du bon Dieu. Tu sais, si on s'entraîne comme ça, peut-être on pourrait jouer avec les mecs avec le piano. Possible. Ah, putain. En plus il fait nuit, on voit pas, c'est parfait. Alors à la guitare, on sait pas qui c'est. De toute façon il veut pas te le dire. C'est les musiciens anonymes quoi. En fait c'est les musiciens anonymous. Tu veux pas faire reconnaître Anonymous, m'en bats les couilles. Voilà. Ils vont vous interpréter. C'est pas le courage de s'étouffer en cela. Avec Joséphine Baker en swing. Avoir le courage de leurs opinions, ça veut rien dire. Hein. Ils vont vous interpréter. Ah, il y avait Beauvais, ils ont passé tout à l'heure. Ça faisait longtemps. Putain, il était ici avec sa femme. Il est rentré dans l'Italie, la marche pour les migrants. Ouais, vas-y. Il était là quand? J'en sais rien. Non, il est vers l'Italie là-bas, là, dans la Vallée des Merveilles. Parce qu'en fait, les migrants ils veulent passer. Mmh. Et lui, voilà. Mmh. Enfin. Il est Beauvais. C'est un bal qu'on a pu. Bon. On va peut-être le rouler un petit. Tant qu'à filmer, autant pas faire de la merde. Tu veux pas jouer un peu? Là, tu peux arrêter de filmer alors. Non, parce que je me redorgue un peu plus pour. C'est trop loin. Je suis pas encore gêné. Après, j'ai rien. Tu vois la basse, mec? Ouais. Vas-y, fais. La mienne elle est trois fois plus légère. Je me donne un petit dimension, je vais faire dans le groupe là. Je fais deux. Fais gaffe, c'est filmé. Ouais, on s'en fout. Et qu'il peut les mettre sur internet et relou. Moi je m'en branle tout. Même quand tu fais caca. Remarque, moi ça me fait marrer. À la limite, tu vois, je vois tes vidéos et je me dis putain, c'est moi qui dis des conneries. Et toi, ça va, ça a du sens. Tu sais, quand je la vois après. Là, ça me fait marrer. Tu fais caca là? Je cherche à comprendre ce qui se passe. Je suis intermittent du spectacle, du spectacle. Tu l'as fumé le cigare en fait? Je crois, je sais plus. Il est bien ça. Je crois. Il était bon.
le tricératops, ça. Nous, on a la... Non. On dirait du chinois, comme ça, c'est... Action. 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 C'est pas compliqué à faire, je sais pas jouer. Et en plus, j'ai tellement pas. Voilà, il y a au moins une demi-heure de film. Oh, je sais pas si je peux le mettre. Non, c'est n'importe quoi, t'es fou. Je te rends pas compte. Personne regarde ça. Tout le monde s'en branle. C'est ce que tu mets en ligne. Ah, moi, je m'en branle complètement. Putain, et c'est bien. Mais c'est toi qui as ton caméra. Sinon, elle nous filme le 2-3. Putain, merde, je crois que j'ai pas bien fermé là. Putain, c'est tout pété ce qu'on a. C'est marrant, hein. Mais il y a des trucs, tu vois, tu te dis, tiens, ouais, c'est marrant ça. C'est très rare ce truc pour. Ça me donne envie de peindre nu dans un genre. Oh oui. Vraiment. Des citronniers. Des plantes basiques. Des plantes grasses. Surtout ne bouge pas. Des plantes grasses. Des belles plantes grasses. Avec une grosse allongée par terre. Lapin. Toi au milieu des légumes. Sur les tailles et tout. Retourne-toi mon amour. Attends, tu peux bouger la courgette un peu là. Merci. Et il faut trouver le titre du tableau, c'est... Dégage-toi. Voilà. La grosse au jardin. Si tu mets un petit short. Ouais, là, vraiment grosse, quoi. Tu la peins, tu sais. Tu la peins et tu écrases des légumes. Tu fais, en fait, tu fais une soupe de légumes à la grosse. Ça vaut des millions, c'est... Tu slap et tout, quoi. Bien sûr, vachement. Alors, je sais pas si ça existe. Ça existe peut-être. Ils vont pousser un peu, genre. C'est le coup. Comme ça, et l'autre comme ça. Le crochet. Edouard Romain d'argent. C'est du Stray Cat. T'as rappelé Stray Cat? Random's gun for you. Avec la Gibson Smith aussi. J'aimais bien quand j'étais jeune. D'accord. Ils passaient à la télé, alors c'est très rare qu'ils aient mis un groupe de musique à la télé. Les Rostatou aussi. Le petit chauve là. Ouais, c'est pas mal, franchement. Après, plus jamais. Mais ils l'ont passé à la télé. Quand même. Ils le passaient à la télé à l'époque, quoi. C'est super rare, quoi. Des groupes anglais. C'était quoi, c'était même plus ça. Non, même ça n'existait pas encore. Ferme. Tape la mi mineure, la grosse, d'un coup, pour voir si. Ah, ça va à peu près. Franchement, votre gratte, elle pourrait être bien, il faudrait juste changer un peu les formes, nettoyer les frettes, pas plus caca. Hein. Et après, déjà, ça n'aurait pas plus. D'ailleurs, quand tu l'avais passé il y a 3-4 ans, elle était nickel, sa gratte. Ça, c'est middle. Elle était trop bien. Oui. Je savais, mais on a l'air pas chômé. Oui. Tain. Là, faut
reggae et tout. Ouais, mais là, il faut des putains d'effets, c'est bon. Et après, c'est One of these days, I cut you into a little piece. Un de ces jours, je te montrerai un petit morceau. C'est ce qu'il dit. One of these days. Ouais, mais là, il te faut des putains d'Andy Marshall avec les boomers. Et des boomers, c'est, je sais pas, c'est des entrées de tunnel ou quoi, tu sais. Tu sais, quand je teste la guitare, je teste genre sur un ampli orange avec des putains d'effets. Ouais, j'ai joué, putain, j'ai fait merde, on va dire Jeff Beck et tout. Tu sais, j'ai repris la Gibson là, je suis rentré à la maison, je fais putain. J'ai merde. C'est pas mieux, mec. Continue. C'est comme les frites, tu manges tous les jours des frites. Et tout à coup, t'es content de découvrir une chose. Même une salade de tomates, t'es content. Merde. Avec du bal, t'as plus rien. Tu avec du bal, pas tu les feuilles. Des feuilles. C'est trop bien. Tu peux prendre des feuilles, du chien. Tu vas au marché. Le tabac, c'est trop cher. Direct. Direct. C'est moins cher. C'est meilleur marché. Merde. Tu prends du paquet de club. En plus, ils te mettent le mauvais film, on dirait que c'est TF1 les paquets de club. Non, c'est pas vrai. Suivez-moi, perdu dans le futur, alcool, shit dans les pieds. Fleuris, alcool, shit dans les pieds. Est-ce que t'en as rien à foutre? C'est la sur YouTube. De parce qu'une heure, tu vois quoi? Est-ce que t'as un super rien à foutre? Tu veux pas sortir le cyclotron Roland? T'as un Roland toi aussi? Un Roland. Comme le mec de l'hôpital psychiatrique. Il a un Roland. Un Roland. Oh.
réciproque. Sans la clé de tout. Dans ma grosse république. La république sanique. J'ai un grand corps quand même. Même si ma mère, elle trouve que j'ai pas toutes les cases, ça fonctionne. Je sais pas où. Je comprends plus. Je sais pas. Vas-y, on va prendre un grand connard qui tombe dans la piscine. On va prendre un grand tac. Oui, c'est bien malheureux. Moi, je suis gogol sans être tombé. Ma suis juste de. Allez, la sauve. Chamanique, c'est. Attends. Allez, les fous, soyez pas bons. Ils sont chamaniques, monsieur. Donne-nous pas envie de tout faire. Troisième étage, c'est un aigle. Gatine, piqûre. Allez, c'est fini, on range le matériel. Allez, on boit le chocolat et on prend les cachets. C'est l'heure de médicaments. Mais madame, c'est que 4 heures. Après, c'est la peinture aussi. Demain, ce sera la peinture. On pourrait dessiner des beaux anges. Allez, on va faire dodo, mais madame, c'est que 5 heures du soir. Ah, ben oui, Miss Rachel. Dessinez un bel arbre. Et lâchez-moi un arbre de vie. Et lâchez-moi la grappe. Et lâchez-moi la grappe. Je vais vous faire de la programmation neurolinguistique, bande de bâtards. On échange un peu. Demain, ça filme toujours, c'est incroyable. Oui. Nicolas. Tout un bon à Jacques. C'est un troll mongolien. En fait, on s'invite pour Jacques. Plus rien foutre parce que ça a rien de pire. C'est pour mon pote Jacques Dambry. Il est pas. Mais il a la piqûre, il est pas au quatrième étage, il est chez maman. Il a un bracelet. Non. Il va à l'hôpital le jour. Pas besoin. Bah, ça va, hein. Je l'avais vu, ça va. Il faut pas qu'il boive. Ben non, mais le cœur il peut lâcher, hein, c'est pour les conneries. Comme ça, c'est s'il boit, il voit des démons partout. Ah ouais, merde. C'est pas bon. Ah, c'est le mic, c'est pas bon. Ah putain. Et quand Jacques voit des démons, eh ben, il veut leur péter la gueule. Sérieux? Ah, je sais pas, la dernière fois qu'on l'a vu, il est chaud. Hein. Il est parti dans le tramway, il va appeler. Genre, je prêterai pas ma Game Boy. Hein. Je ne prêterai pas mon portable. Arrivederci ouais. Roma. Qu'est-ce que c'est ça? C'est Youssou N'Dour. Oh, vieux, coulez-les. Le blues de la brousse. Je crois qu'ils ont le blues là-bas, en Afrique. Il va peut-être faire des conneries un peu là. Voilà. Sans déconner. Oh, content. Gringo, il est bon ton café? Ouais, viens par là. C'est pas bon. Comment ça, il est pas bon mon café? Délire. Hé, Manolo!
passer le pétard. Personnel, va. Personnel. Ça, et en plus, ça pour lui. Oh là là. Pour lui. C'est bon. C'est vachement ça, grave ce que tu filmes. Ouais. Ça devrait être interdit par la loi de faire ça. Par l'association française. De fumer des gens qui veulent pro. Par l'association française dentaire. Voilà. Brigitte Bardot, Larry Goldstring, dit. Toutes des putes, Mac Lesguy. Hein, Miss Colgate peut te faire enculer, salope. Rachel, je t'emmerde. J'ai légèrement mal aux gencives après avoir sucé deux blagues ou quoi. Tu vas analyser ton opium. Et c'est normal. Je crois que dénonce des choses. Parce que vous avez J'ai la rondelle. Inséré deux jalons dans votre. J'ai la rondelle légèrement. C'est quoi? Non, pas les cornichons. Mal. J'ai des petites rides sur ma rondelle, que puis-je faire? Morceau de rire. T'as vu les pubs sur Colgate, machin? La meuf, elle a une dentition parfaite. J'ai légèrement mal aux gencives le soir avant d'aller me coucher. Prends donc deux acides. Tu verras bien. Tu vas voir, ouais. Tu serras les dents, c'est accélération rien. Après. Je comprends pas, j'ai le bout des seins qui pointe quand je me les caresse. Est-ce normal, docteur? Merci, maître. Tu te rappelles une fois que tu m'avais montré la tube de cul, fait. Alors, le mec, il attache les seins à la femme, ils deviennent bleu-violet. Carrément, le mec, il a pu. Putain, il a dû lui faire mal. Putain, ça craint. Putain, la meuf, elle a tu sais, des seins. Bien, des seins violets. Et il appuie carrément, il sort le lait, et t'as la femme, elle fait merci, maître. J'avais raconté ça à Mario, à chaque fois qu'on travaillait, après on faisait merci, maître. Putain, t'imagines la femme déglinguée comme ça. Elle a les seins pointus avec la corde serrée, violet. Et le mec, il appuie, il sort le lait, et l'autre a fait merci, maître. Oh là là. T'es allé où, chérie, cet après-midi? Je suis allé faire les boutiques, je suis à la prise unique. Les c'est pas possible! Ce sont tous des menteurs! Tu sais que chez Mine, pas les espions dans ton téléphone portable, tu restais 4 heures au même endroit. Merci, maître. Je connais cette maison, j'y vais les week-ends, calme-toi. Tu es allé chez ton psychologue aujourd'hui? Ouais, presque. Merci, maître. J'ai raconté ça à Mario, il était croulé de rire. Ah putain. Imagine un abdème comme ça. Non. Enfin, non. On se demande. Non. À ce point-là. Mais tu vois ça sur Internet. J'avais une copine. Là, c'est elle. Elle est passée, c'est normal. Ça se discute, je crois. Ouais. Ah, genre attaché comme ça avec le. Ils avaient montré un truc comme ça. Elle était mariée avec ce. Ah. Elle était catholique. Ouais. Non. Et genre. Ouais, c'est fou, ça arrive tout ce qu'on le croit. Ça va, c'est beau, mec, c'est pas grave, c'est pareil. Et c'est pas dans le monde, quoi. C'est pas dans le feu du hard. Ah. Et lui, c'est pareil, il a décidé, il a fait des. Je sais pas, je l'ai vu faire des trucs dégueulasses avec ça. Et ben, en vrai. Elle me dit bon, d'habitude, elle faisait des prestations chez les gens, des shows quoi, avec des copines, machin. C'était pas une lutte. Enfin, non. Ah, elle travaille juste ça. Des films, oui. J'en avais marre, les endos. Les extrêmes. Ouais. Et même, ils disaient, quand ils allaient ensemble dans un village, où ils finissaient sur une poursuite. C'est un drôle de truc. Je l'ai vu une fois. J'ai vu ça. Avant, au départ, on se disait bonjour. Tu prends la norme. Tu vois. Et la fois suivante, elle te dit bonjour. Elle te met un petit doigt dans le petit tourmou le cul comme ça. Je l'ai regardé comme ça. Je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? Peux-tu viens, on va sous le pont. Je fais, oh merde. Putain. Il y avait son mari. T'imagines? Elle est passée chez Delarue. Ah, une fois, il y avait eu chez Delarue, je sais pas trop quoi. C'est ça. Le mec, carrément, la nana avec la chaîne, qui se tient, qui assume à la télévision. À la télé, t'imagines. C'est tout à l'heure. Je
pas si elle a des parents, machin. Et le mec, il disait, et elle aussi, elle disait, elle, c'est mon objet sexuel. Mon objet sexuel, avec la laisse, machin. Mais pas vilaine, hein, la meuf. Ouais. Et voilà, assume complètement. Oui, mais l'autre, elle était pas. J'imagine, tu passes à la télé quand genre de la rue, genre t'as 2 millions de personnes, tu sais, dans toute la France. Genre son mari, tu vois, il faisait des montages pour des films, tu sais, aux États-Unis, tout ça. C'est un producteur, film, pornographie. Ouais, bon, enfin là. Et, non, non, il avait dit, j'ai fait pour les pieds de l'Est, mais j'arrête de me faire des trucs trop dégueulasses, c'est clair. Je peux pas. Et il était quand même artiste, tu vois. Ça peut aller mais moi, j'ose. C'est. Ils sont chelous, porno. Ça peut aller loin. Et genre, ils avaient fait genre un montage pour HPG et ils voulaient pas les payer. C'est HPG, c'est un genre un hard ouais. C'est de fin de notre rêve, quoi. Un show. Ouais, je vois qui c'est ce mec, peut-être. Enfin, il en a fait pas mal. Quoi. Ouais, je vois ce truc. Ouais. À la française, il lui a tiré dessus. Ouais. En fait, il voulait lui faire peur. Ouais. C'est au pistolet à grenade. Ouais. Et il dit, ouais, on récupère l'arbre, on fait genre un an de prison. De ça, donc 2 ans. Ils ont tiré au grenaille, tu sais, c'est barré, et puis ils tirent dans le pot. Il y a des drôles. C'est des ouf. Et ils avaient fait genre. Après, ils sont calmés, hein, peut-être pas. Ils m'ont dit, putain, ils sont cagés. Ils ont pas les mains, hein. T'imagines, hein. Mais vachement sympa, hein, tu vois. Enfin. Pas tordu, hein. Ouais. Enfin, pas plus les autres, tu vois. Un peu. Ouais, bah. Finalement. Ah, car. Mais bon, je ferais pas ce qu'ils font. Non, je pourrais. Enfin, bon, après, comme tu dis, hein, je trouve peine. Mais là, non. Là, on se met à ça. Je passe à la télé. Maman, je te propose. Non, mais c'est pas grave. Elle va bosser. Placido. Presque. Yeah. Sinon c'est déjà la mineur. Merde, tu chimes là? Bon, j'ai dit que des conneries. On fait travailler la Sophie. De golf. Sophie fait du golf. Faut donner des cours aux petits. Sophie, aujourd'hui Sophie, golf, tu sais pas Martine à la truc, c'est Sophie à. Martine à la plage quoi. Sauve l'échelle. Sophie fait du golf aujourd'hui. Prends la tête, tu tires fort dans la balle. Tournez, ça tourne. Confisqué pas. Ça tourne. Ah on va en 18h, c'est long quand même. C'est un peu long qu'ils ont fait, 18h. T'as rien, j'ai pas fait aussi longtemps. Gardable, 18h. Putain, là, tu souffres, eux, ils l'ont gardé. Bah, il est arrivé, il est à l'envers. Enfin, c'est malheureux de voir ça. C'est malheureux. Ouais, elle est cool. Enfin, bon, écoute, elle fait ses trucs. Hein. Elle est cool, garde pas ta clio en bas de chez elle, moi je te le dis. Ça m'arrive. Parce que les pots de fleurs qui décollent. Hein. Sale. Son soi-disant copain, il lui avait acheté la grosse télé. Mais il est parti. C'est fou. 90 cm, elle a défoncé la télé. Télé neuve. C'est con, ça. Ouais, c'est con. Bon. Il y a des tétocases dans la verre. La Sophie, attention. Hein. Attention. Mais c'est peut-être avec ce qu'elle prend, c'est des fois pas les mêmes. Mais joue un peu. Non. Mais alors, mets du sang sur l'ordi. Hein. Mets du sang mais sur l'ordi. Mais il marche plus. Mais un Adamo. Adamo. Il est cool, Adamo. Ah ouais, putain. Le mec, il vieillit pas, tu sais. Merci. Moi, je connais depuis qu'il est gamin. C'est comme Drucker. Il chante sa petite chanson. Merci. Et puis, il est marié depuis 45 ans avec la même femme. Il a toujours encore. Le mec droit, quoi. Trop droit. Tu te demandes comment on peut être aussi droit que ça. C'est vrai. Le mec, il a pas des envies, il a pas des perversions. Bah, s'il faut un jour, on voit Adamo dans un petit film de cul. Non, mais Adamo, tu sais pas, le cul, t'as vu sa tête, quoi. Oh, une tête de gros pisslard. Oh, la sale.
T'es quatre bien sur le jeu. T'as pas vu le film Adamo et les fisteuses ou quoi? Adamo, deux mains dans le cul dans la meuf et tout. Non, c'est pas possible. C'est sûr. J'ai comme il serait gris. Putain, si ça fait de mon corps, c'est grave. Adamo et les fisteuses. Non, docteur. Non, sur YouTube. Oh là là. Adamo et la chantilly. Ratasplatch. Ratasplatch. Adamo et triple concombre. Adamo cuisine. Avec un. Mais non, faut pas dire ça. Ah putain. Allez, ah, désolé. Vas-y les gars. Ça y est, moi j'en ai pris. Vas-y, bouffe-toi. Ou cartoxage. Comment on fait? C'est trop tube. Le ternaire. À quoi longue? Tin don 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 don. Vas-y, j'avais vu un clodo jouer ça une fois, à Villefranche. Le mec par terre avec la gratte, il me faisait du jet rouge. C'est une olive qui m'a sauvé la vie. Je suis resté con. Tiens, je vais le défoncer. Astéro H, Fulgurobit. Ah putain. Tirez le Atarus. Attention à ma bord. Bon. Lâchez le cabestan. Tirez le baron du. Oh, oh, oh. Ouvrez la valve. Ouvrez le camistoff. C'est parti. La valve Atomos. Il y a de la houle, il y a de la houle, mon capitaine. Je l'avais au garage. La valve Atomos. Dès qu'on est rié avec Jacques, fait. Il y a des moments, c'était bien. Vissé d'un quart de tour le sismographe. C'est parti. Si ça se peut. Moteur à un demi-tour, quatrième tringlerie. Il faudrait arriver à imprimer un papier pour. Sortez la corde à linge ou quoi. Merci au voisin. Vous n'êtes pas. Allez pouvoir lever le linge sur le pont supérieur ou quoi, tu sais. Le sous-marin, t'sais. Oui, mon capitaine. D'accord, c'est parti. Putain de sous-marin, c'est sous à l'arrache. Là, qu'est-ce qu'on a fait dans le sous-marin. 150 mètres, putain, la pauvre meuf qui est partie avec le type. Ouais, faut dire pas être con aussi, tu vois. La journaliste. Oui, on va faire un reportage, poète. Ah, c'est bon, mec. Là, ça a dû être. Imagine un nana, retrouvé découpé, balancé en pleine mer. Tout va bien, quoi. Un mec honnête, Nicolas Hulot, quoi. C'est recommandé par Nicolas Hulot, le type, quoi. Je sais pas ce qu'il m'a pris, j'ai bu un verre de panaché. J'ai découpé la bonne femme en rondelles. Je sais pas moi. Je sais pas ce qu'il m'a pris. J'imagine la nana ce qu'elle a dû endurer quand même. Dans un sous-marin, cool le mec, tranquille, il est pas emmerdé. La meuf elle veut s'échapper. Si tu racontes une histoire sous-marin, c'est ouais, c'est, bah, c'est un truc qui s'est passé là. Le mec il avait un petit sous-marin, c'était genre un. Un sous-marin, mais genre 20 mètres de long, pas un monstre de 100 mètres. Quoi. Et en fait, il est venu une journaliste, une reportrice, c'était pas mal la femme. Et en fait, elle est descendue avec lui dans le sous-marin pour faire un reportage sur voilà, quoi, les fonds marins, les conneries. Non, c'était où ça? C'était dans le Congo. Non, c'était genre en Russie, une connerie comme ça. En Russie. Ouais, et en fait, bah, le mec il est remonté avec le sous-marin, il n'y avait pas la femme. Alors lui il comprenait pas, là, en fait ils se sont aperçus que la femme, ils ont retrouvé le corps, il l'a jeté en pleine mer. En fait, il l'a torturé, violé. De fou. Et voilà. C'est cool, là, t'es dans le sous-marin, t'as même pas besoin de fermer les portes à clé. T'as la meuf qui s'échappe. Putain, t'imagines ce qu'elle a dans le. L'inimaginable. T'imagines. Déjà, il y a des cons reculés en France.
Où es-tu? Où es-tu dans ce sous-marin? Voilà. La gonzesse, elle essaye de se cacher. Ah, c'est pire que tous les films d'horreur imaginables. Ah, t'es foutu là. T'es cuit. À moins d'être James Bond, je sais pas, tu te mets dans la torpille, tu pars avec, j'en sais rien, comme il fait dans les films. Tu prends bien ta respiration. Et tu nages vers la sortie. Ah, c'est un truc de fou ça. T'as pas vu que t'as la télé, ils en ont parlé l'année dernière, pardon, je sais pas combien de temps. C'est rien. Et en fait, le mec, il a avoué que voilà. En fait, bah, la pauvre, elle était en train de manger un truc, elle a basculé, elle a tapé la tête par terre. C'est pas moi, je suis pour un peu, il faut que je règle, je trouve que ça sonne pas, j'ai faim. Je vais te dire ça, une phrase de sperme, bon, comme elle était déjà morte. Je règle. Je me suis un peu lâché, quoi. Putain, quelle horreur. Je suis un taré, quoi. Un truc qui décolle. Non, mais c'est... Là, c'est comme j'ai vu, genre... Enfin, c'est les conneries sur Internet, hein. Genre le mec, il vit dans un quartier en Russie, il a bouffé un de ses clodos ou un voisin. Le fameux chinois, là, ils avaient retrouvé son congélateur, il y avait le mec débité en morceaux et tous les jours il bouffait un top. En fait, le mec, il avait tué un bonhomme, il avait débité, mais c'était un japonais le type. Il avait débité, il avait correctement coupé et tout, en fait, dans tout son congélateur, il y avait le mec. De temps en temps. Comment ça, faut pas faire ça? On me l'a pas dit à l'école. Imagine le plan, il y en a, c'est des morceaux de déglingué, attention. Ça tombe encore. Des fois on laquait, hein, c'est pareil. Putain, c'est cool. Bon, on essaye de mettre trois gueules dans la photo, on s'en bat les couilles. Ça va être un film qui va durer une heure. Bon, il faut le faire trois fois ça. Putain, je suis drogué. J'essaie de s'expliquer un truc plus simple. Mais qu'est-ce que tu m'expliques là? Je sais pas, un acido. L'acido? Ouais. L'acido! C'est pas moi, c'est pas moi! Oh, c'est une histoire belge, toi, ton truc là. On m'a demandé à téléphone cab. Ah, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on peut mettre le schmilblick dans le biberon des enfants? Non, monsieur, qu'en pensez-vous? À des frites.
De récupération là, là-bas, c'est connard de public, porte de débile. C'est toi qui me paye les cordes et les cours, alors ferme ta gueule. Come on. Un peu trop compliqué ça. Eh oui. Saltimbanque. Ironne. Ouais. Je vais prendre un peu la base. Voilà. Je vais passer. Ouais, j'y arrive pas. C'est une romance, c'est une belle histoire. C'est la version rap. C'est une romance, c'est une belle histoire. Il redescendait là-haut dans le brouillard. Elle remontait dans le midi. Je l'ai vu là. C'est le Ziva Galactique. Ouais, je vais faire un slap pour tous ceux qui travaillent dans les boulangeries. Ils se lèvent à 4h du matin. Ça s'appelle le slap du travail. Premier, il faut que je sois mineur.
Encore un militaire qui gagne une tringle à rideau. Ça gagne. Allez, ça roule, ça roule. La fa. Tu m'as fatigué. Avant là. Pas le fion du monde, on peut dire comme ça. Avant la fin du monde. Non, là. Pas le fion du monde. Tu fais le 33 tours, nul à chier, tu vas dehors. Nul à chier. Va te faire enculer, surtout si tu l'achètes. Avec des astérix. Nul à chier, top 1. On rembourse pas. Il y a 3 minutes, ça va te chercher. Allez vous faire traire. Les nul à chier. Je suis sûr que tu fais un groupe comme ça, ça marche. Les nul à chier. Maintenant. Les fausses notes sont en supplément. 1€ la fausse note. Vous voulez de la mayonnaise dans votre burger? Ouais, c'est 1€.
Soin de semer des boulons de vite. Il avait volé une boîte de petits pois, il avait caché dans sa bouche. Du Marilyn Manson. Je vais écouter ça. Et toi, tu fais un décalé d'un quart, donc ça va pas. Je t'ai dit, c'est pour ça que je joue plus chez toi. Ça sert à rien. Je te l'ai dit depuis 6 mois. Et puis toi, tu joues un tri et lui, il en joue un autre. C'est ça. Parce que l'impro, c'est bien beau, mais vous n'arrivez pas à jouer. Enfin, si, on peut l'apprendre, mais. Non, on s'en bat les couilles. Bah oui, c'est que lui, il fait son truc. Moi, je fais le mien. Et voilà. Bon. C'est cool. Après, oui, ça peut s'adapter. Mais en fait, lui, il fait son délire et toi, tu fais le tien. Donc ça fait deux choses différentes. Hey, comme si tu mettais. Je sais bien, c'est comme si tu mettais. Toi, tu tournais le chanteur et racontais tout ce qui passe par la tête. Ouais, nous, on joue ce qui passe par les doigts. Le chanteur. Ouais. Nous, on joue ce qui se passe par les doigts. Le chanteur. Je me présente. Dans ma galaxie.